verset 24 et à verset 6. Matthieu chapitre 16, verset 24 à verset 6. Je pense que nous avons un texte entre deux ou trois, juste suivant l'Esprit de Dieu. Mais même surtout pour mon attention qui est vraiment soutenue, parce que je vais dire un bagage qui est très très important. Merci, je pense que j'ai écran. La femme bien pour les maps de côté qui est également. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Que l'Assemblée dise amen trois fois. Amen. Dis ça encore. Amen. Dis ça plus fort. Amen. Bien-aimé frère Maxemio, la mission de l'Église, l'y représentée par le symbole d'une croix. D'une croix avec les deux poteaux, le poteau horizontal et le poteau vertical. Le poteau vertical l'y symboliser la relation de l'homme avec son créateur, et tandis que le poteau horizontal l'y symbolisait relation l'homme avec l'homme. Ça veut dire l'évangile, bien-aimé frère Maxemio, son rassemblement. Rassemblement de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute culture. Dans mi temps, c'est Christ qui croisé et lui établit réconciliation avec l'homme et Dieu qui péché était metté dos à dos dans le jardin d'Éden. Et lui établit également la relation entre l'homme avec l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons revendiquer une nouvelle conception de l'Église. Quant à la manière, elle se reflète le sentiment de son Dieu. Cela est évident. Je tiens à nous assister à un déploiement de faux serviteurs qui parachutent à la plateforme évangélique. Le Seigneur, lorsqu'il annonça l'apparition de son assemblée, déclara avec force, tout ce qui voudrait le suivre, qu'il renonce à lui-même. Nous pouvons constater, mes bien-aimés, la prudence du maître voulant effacer l'homme charnel de son travail. C'est pourquoi l'Écriture dit, tout disciple accompli doit comme son maître, dit Jésus. Cette phrase bénie, l'éprouvé bien-aimé frère Maxemio, qu'il existe toute une série de principes qu'un disciple désirant parvenir à la mesure de la statue parfaite de Jésus doit respecter. Dans le cas contraire, il sera semblable à un navire allant à la dérive, battu par les flots de l'ignorance, jusqu'à monter sur le récif de la corvée spirituelle. L'évangile, bien-aimé, c'est un ensemble de principes
un ensemble de disciplines. Et si nous comprenons mieux ces principes, on va voir c'est ce qu'on appelle la beauté et la gloire de l'évangile. Bien-aimé, la première dimension de l'appel de Christ à l'endroit du croyant, le trouver dans Matthieu 11, le verset 28, où Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. C'est la toute première dimension de l'appel. Comme son nom l'indique, tous, tous, tous. Non, venez à moi, vous tous là. Tout le monde vient, tout le monde là-dedans. Et ceci pour différentes raisons. Non, venez à moi pour tout ça, que moun se deron kay li vini. Non, venez à moi pour tout ça, que moun se deron mariage li vini. Non, venez à moi pour tout ça, que moun se deron baïde li vini. La paix bon Dieu à soi. Non, venez à moi pour tout ça, que moun se deron mariage, deron résidence. Ou kachouen li, parce que on t'a a dit, toute grâce bon Dieu c'est pour grémer. Grémessé. Mais bien aimé, Jésus parle où pour venir joindre seulement, mais bon Dieu relo également pour venir suivre lui. Bon moi amen sérieux. Bon moi amen qui tombe. Li relo également pour suivre lui. Attendez bien, frère Maximion. Et voilà pourquoi, dans le texte venant de lui, il pourra le présenter deuxième dimension, appel là. Et cette fois-ci, il n'a pas dit venez à moi, mais il dit venez après moi. Est-ce que vous avez là? Si quelqu'un veut venir après moi, bien mes frères et sœurs, il y a une différence entre venez à moi et venez après moi. Est-ce que mon avem là? Il y a une différence entre venez à moi et venez après moi. Tendez bien, frère Maxime. Non, venez à moi pour tout ça, pas de discipline. Non, venez à moi pour tout ça, pas de principe. Est-ce que mon avem là? Ça fait que nous sommes dans l'église, c'est tout normal pour le Jean Lia. Parce qu'elle n'est pas venu suivre Jésus, mais elle vient derrière un bagage dans le Jésus. Sachez ceci, maison de prière, dans la nouvelle consécration, perspective consécration, hein? Mais ça laisse cet esprit flemme d'où, à soi, le bon Dieu pas besoin de monde qui vient derrière faveur, qui vient dans l'évangile seulement, mais mon Dieu besoin de monde qui vient servir. Bon, moi, amen qui j'aime non. Bon, moi, amen complet non. Il paraît le monde pour venir derrière un bagage seulement. Est-ce que vous avez là? Et ça fait que vous c'est tout normal pour le droit et gauche dans l'évangile, pour le gauche dans droite, droite dans gauche, parce qu'il va venir suivre Jésus. Est-ce que vous avez là? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? T'as bien, frère Maxime. Venez à moi. Ce sont des gens fatigués. Fatigué de la pauvreté, fatigué de la misère, fatigué de l'insécurité, fatigué par le chômage, fatigué. Frère Maxime, en vérité, sous ta vie, chita là seulement, pour mon Dieu, font bagay pour vous, ou pas de besoin chita là. Souvenez là seulement pour mon Dieu font bagaille pour vous seulement. Non. Moi pas venir dans l'évangile pour mon Dieu font bagaille pour moi seulement. Même venir dans l'évangile pour mon Dieu font bagaille avec moi. Frappez-moi pour la parole. Je viens pour font bagaille avec moi. Et pas même en ville font bagaille avec moi avant non. Mais avant ils font bagaille avec moi, je veux font bagaille dans moi. Est-ce que mon Dieu mon avec moi là?
Parce que, alléluia, alléluia, le bon Dieu joue nous. Objectif, ce n'est pas bon, mais c'est prendre même. Bon, moi, amen, Seigneur. Je dis à qui vient conception et on est nous, l'église, nous pensons nous venons prendre. Et pourtant, bon Dieu, parlez l'eau pour venir prendre. Bon Dieu, l'eau pour venir bailler. Bon Dieu, l'eau pour venir bailler. Venir bailler santé, venir bailler la vie, venir bailler l'amour, venir bailler connaissance, venir bailler temps, venir bailler capacité. La paix, bon Dieu, avec. Levez-moi, dis Seigneur, où mettre prendre. Dis ça encore. Dis ça plus fort. Et bien, mais. Bon, dis-moi, bagay. Même si bon Dieu t'a bon États-Unis, il t'a bon kay, il t'a bon visa, il t'a bon manger, si bon Dieu pas fanyen nan ou, bon Dieu pas fanyen pour. Est-ce que m'gen moun avèm là? Oh, bon sem ki chita là. Moi dis bon Dieu merci. Ou poko gen la jon besoin, ou poko besoin ke ou poko ki kay ou besoin, même dis bon Dieu merci parce que bon Dieu font bagay nan ou. Oh, alléluia. Et me senti comme un qui chita là. Même sous pays, puis voilà. Il va pas voler encore. Parce que bon bagay qui fait dans lui. Oh, alléluia. Bon monde qui chita là. Même sous tes pays, pour le coucher avec un garçon qui pas marié. Il met mourir pas faire. Parce que bon bagay qui fait dans lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Pas bail tête tout problème pour son besoin. Bon Dieu, pourquoi faire pour vous? Parce que ça, bon Dieu, fait dans vous, il est plus important que ça, bon Dieu, pourquoi faire pour vous? Souvlez me prêcher, dit avance. Dis serviteur, avance. Maintenant, la deuxième. Trois disciplines. Mettre la parole présentée là-dedans. Première discipline, notre appareil présenté là-dedans, renoncer. Deuxièmement, chercher quoi? Troisièmement, suivre. L'ouvrisseur, on connaît pour commencer à prêcher. Frappez-moi pour l'évangile. Mais trois caractéristiques qui caractérisent la deuxième dimension appel là. Renoncement. Dame, l'exemple a répété ça trois fois, dit renoncement. Dis ça encore. Dis ça plus fort. Renoncement, c'est quoi? C'est l'action de se renoncer. C'est l'action d'abandonner volontairement quelque chose. Ne plus utiliser quelque chose au profit d'une valeur jugée plus haute. Dit grec, c'est apotitémie. Yon mot utilisé pour désigner le fait de se retirer ses vêtements. Selon Acte 7, verset 58 et Pierre 2, verset 1. Comme on retire les vêtements sales à la fin de la journée. Bien-aimé, Paul pense peut-être à la pratique du baptême dans l'église primitive. À l'époque, l'église primitive, moun kap baptisé yo, yo, avant yo plonger dans l'eau, yo doit retirer vieux vêtements yo. Yo doit retirer vieux vêtements yo avant le baptême. Et là, ils ont fini baptisé, ils ont recevra yon l'autre rate blanche après baptême qui symbolisait nouvel état yo, qui symbolisait nouvelle vie yo. Et bien tant de bien frère Maxime yo, mes premiers rendez-vous que m'gavo semaine ça n'a pas retiré vêtements sales yo. Ben moi amen sérieux. Maptoune. Et dans sa faire renoncement, il y a trois étapes là-dedans. Et c'est dans trois étapes ça que je parle de chita à soi. Première étape, renoncement de la donne, c'est d'abord
renoncer à soi-même. Est-ce que vous avez là? Renoncer à soi-même. Deuxième étape là, c'est renoncer à ce qu'on fait de mal. Renoncer au mal. Et troisième étape là, renoncer à ce qu'on possède. Est-ce que vous avez là? Renoncer à ça nous posséder. Tenez bien. Premièrement, tout d'abord, c'est renoncer à soi-même. Qui le renonce à lui-même? C'est pour oublier tête. Est-ce que vous avez là? Cela implique, Frère Maxime, que l'on comprenne une bonne fois pour toutes que notre vie dépend entièrement du Seigneur et qu'on lui laisse le gouvernail de notre bateau. C'est une attitude qui m'a dit pour commencer par humilier de manière visible. Est-ce que vous avez là? Pour commencer par humilier de manière visible. Visible. Dans Acte 19, verset 18, 20, lorsque Dieu Christ parle, rencontre avec Paul, sur la route de Damas, il frappe Paul. Paul tombait au pied de stalle de son cheval. Et Paul obligé dit, qui es-tu, Seigneur? Mon obligé qu'embe mes Paul qu'on y a parce qu'il a vague. Est-ce que mon avem là? Mon obligé qu'embe mes Paul parce qu'il a vague. Bien aimé, Frère Maxime, discipline l'évangile là, lui demande pour renoncer à étude, à classe ou fait, à capacité ou, à qualification. Bon bagay, que je veux comprendre. Dans l'évangile, pas de monter ton tête carton. Je ne sais pas si bon Dieu faveur. Je ne sais pas si bon Dieu fait pour vous. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent. Ce n'est pas parce que c'est où qu'on connaît. Il y a des gens qui sont intelligents, parce que ça, mon Dieu, faveur, on ne peut pas faire avec eux. Est-ce que vous avez là? Mais c'est parce que parmi tout le monde, mon Dieu fait grâce, ou c'est yon nan yo. Et je vais mettre trois personnes qui ont la même conviction avec ma soeur, lever mon cri pendant trois fois. Parmi tout le monde, mon Dieu fait grâce, moi c'est yon nan yo. Dis ça encore. Dis ça plus fort. Ça veut dire, il y a discipline pour jouer. Il y a dimension spirituelle pour jouer. Car bon Dieu, faut mettre qualification de côté. Est-ce que vous avez là? Parce que vous connaissez qui problème nous avons. Des fois que nous faisons pas vouloir oublier tête nous. Nous pensons que bon Dieu est nous parce que nous qualifions. Non, bon Dieu, bagaille. Bon Dieu pas besoin de monde qui qualifie, mais bon Dieu qualifie tout le monde qui a besoin. Bon, mon applaudissement pour le Seigneur. Tendez bien, ou pas besoin de qualifier depuis bon Dieu, relo, la qualifie. Bon, moi, amen, pijam. Et ça fait bon théologie que je contre lui. Des fois, il y a des prédicateurs qui parlent, ils disent non, bon Dieu, si bon Dieu, bon Dieu, t'es un Pierre, il t'es un Jacques, il t'es un Jean, mais il t'es le Paul, parce que Paul t'es qualifié, parce que Paul t'es parlé grec, parce que Paul t'es ceci. Non, bon Dieu, pas t'es le Paul, parce qu'elle t'es qualifié, mais bon Dieu, t'es le Paul, parce que bon Dieu, t'es qualifié Paul. La même bon Dieu avant l'église, hein. Sauf parce que tu es qualifié Paul, dans Philippiens 3, verset 8, Paul relève la bouffe. La paix, mon Dieu, avant une église, Paul relève fatra, Paul relève toilette. Elle dit, sauf parce que tu es qualifié Paul. Bon, je dis, mais les bon Dieu besoin de faire des choses avec un monde dans un temps qui est bien déterminé, il est qualifié par n'importe quel moyen. Vous pouvez aller à travers la vie de Pierre. L'homme déchaîné s'arrête. Le pécheur marginalisé.
Mon Dieu, pour aller faire un miracle avec Pierre qu'elle était fait dans le tour de Babel. Auprès dans le tour de Babel, lorsque le peuple a levé contre mon Dieu pour y construire toi. Et puis le Seigneur pour aller confondre le langage. Et pourtant, avec Pierre, le péché poisson, mon Dieu pour aller retourner faire le miracle des langues encore. Et quand le saleté gagné dans le tour de Babel là, pour l'église s'affonder, lui réformer encore. Et Pierre a parlé non seulement la langue 17 nations qui là, ils comprennent Pierre. Sans yo pas parler la langue, Pierre a parlé. A frappé mon boulet, Seigneur. Après, dit, je veux comprendre ça. Et ça fait, cessez de croire que on monde qualifié pour les affaires spirituelles parce qu'elle fait classe, parce qu'elle a un rang social. La paix, bon Dieu, avant oui, l'église. Ça. Et ça fait, je veux le réveil spirituel. Un réveil spirituel, même si un tel a une connaissance, s'il n'est pas sanctifié, s'il n'est pas dans la consécration, la médaille chita pour l'homme spirituel, pour la relève. Pas parce qu'elle compte parler qui fait le qualifié. Qualification pour travail, mon Dieu, c'est être spirituel d'abord. Est-ce que vous avez là? Bon, moi, amen, sérieux, non. C'est être spirituel d'abord. Et je dis, c'est ça le problème. L'église, je dis, qui fait consécration pas réelle. Parce qu'elle est telle baille gros dîme. Parce qu'elle est capable de gros offrande. Parce qu'elle est capable de 50 sacs ciment dans la construction. Même là, il n'empêche, il a fait ça, il fait l'église. Et je dis à son génération, nous qui n'avons pas qu'à bénir. Parce que je dis à qui ça fait, l'église n'a pas qu'à traverser. C'est parce que la majorité, hommes spirituels, ils sont dans le coin. Et les gens qui ont la voix au chapitre, la majorité, ce sont des charnels. Ce sont des charnels. Bien aimés frères et sœurs, je dis à mon Dieu, vous renoncer à tête tout. L'apôtre Paul Capé. Devant les sadducéens, les pharisiens, il dit, je suis pharisien, fils de pharisien. Apôtre Paul formé au pied du plus grand rabbin de son époque, le professeur Gamaliel. Lorsque Paul campait devant Truméan, il dit, Truméan, je suis romain. Truméan dit, Paul, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis de ce droit des citoyens. Et pourtant Paul dit, moi, je l'ai par ma naissance. Paul campé devant Festus, pendant la discours, Festus dit, Paul, ton grand savoir te rend déraisonné. Oh, le grand Festus reconnaît que Paul a un grand savoir. Quant à Agrippa, l'homme puissant de l'époque, il dit, mes amis, retirez sa côté. Parce que Jean Nexa parlait là, il presque fait une vie chrétien. Et pourtant, Paul rassemble tout ça ensemble. Dans Philippiens 3, verset 8, il dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, je garde autant que la boue. Est-ce que vous avez là? Je garde autant que la boue. Et ça fait, moi-même, je dis, je ne pas trop aimer ça. Je ne pas trop aimer ça. Nous allons présenter un grand prédicateur. Il a fait ses études primaires au Collège Notre-Dame. Il a fait ses études secondaires au CECI. Il a décocheté une licence à l'Université chrétienne d'Haïti, à l'Université Emmaüs. Il a décocheté son master à l'Université Indiana. Il a décocheté un doctorat. Non, frère, par-dessus de toutes ces tâches, il campait des chairs parce que mon Dieu fait grâce. Bon, moi, amen, Seigneur. Non. Il y a un pasteur qui a prêché dans une grande cérémonie. Et puis, le monde qui a présenté là, il dit, je vais vous présenter le révérend pasteur, bishop, et tel. Et puis, même si j'ai fait doctorat, il dit, le monde qui a présenté là, oubliez doctorat. Bon Dieu béni l'église. Puis c'est oublié, toi. Levez-moi pendant trois fois, dis parmi tout le monde, bon Dieu fait grâce, moi c'est yon nan yo. Dis ça encore. Dis ça plus fort.
Bien-aimé, mes premiers bagages, mon Dieu, dans la dimension de consécration, oublié tête. Est-ce que vous avez là? Est-ce que vous connaissez discipline s'alimenter même sous tes gains raison? Mais pour jouer la paix, vous obligez de passer raison là en bas pied et vous prendre toi. Bon Dieu, bénis l'église. Pour qui ça? Moun qui n'a consécration, c'est pas raison il cherche, mais c'est la paix il cherche. Frappez mon pour l'évangile. Pasteur lui, pas besoin de raison sous, mais besoin de la paix avec vous. Pasteur Peter lui, c'est la paix besoin avec vous. Pas besoin de raison sous. Oh, moi c'est mon église. I don't care de raison là. Bon Dieu bénou l'église. Ça me vote dans raison là. C'est pas raison n'a cherché, mais c'est la paix. Qui ça ça est-il? Si nous n'avons nous gain raison et pour t'pas gain la paix dans mitan nous. La paix bon Dieu avant oui l'église. Et deuxièmement, renoncer au mal. Est-ce que vous avez là? Renoncer au mal. Bay moun ki bò koto la, yon prane de me dil kite mal la. Dil ça encore. Dil ça plus fort. Dans 2, verset 12, la Bible a dit la grâce, source de salut, manifestée en Jésus-Christ pour tous. Mais dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impureté, à l'impiété, au confratisme mondaine et tout bagaille qui part dans la volonté de Dieu. Puis mes frères et sœurs, grâce à la douche, n'importe leur fin sale pour venir laver. Mais grâce à n'importe une grâce, mon Dieu, envahi. Premier sentiment là-bas, la forêt péché. Magé mon Adam. La forêt le mal. Dans Colossiens 3, verset 8, et prochain texte ça pour moi. Dans Colossiens 3, verset 8, tenez bien, frère Maxime. Texte ça, pour aller dire comme ça. Bam, lire depuis dans verset 7 là. Descends toujours, allez dans verset 6 là. Quand elle dit faites mourir. Verset 5, ok. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Est-ce que vous avez là? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Tenez bien, frère Maxime. Faites donc mourir les sorties de mon grec qui c'est nekwohoho, qui signifie littéralement tuer. Est-ce que vous avez là? Tuer, détruire, anéanti. La Bible dit avant l'église. Bay moun ki boko to la lame, til pendant semaine sa. Répétez dit ça, bay lame, til pendant semaine sa. N'a touye, tout sa ka péché nous consacrer. Et puis gade l'an jè til touye yo. Til sa til touye yo. Frappe moun moun l'évangile. Fait donc moui, les membres qui sont sur la terre. Et premier, Mami dit c'est l'impudicité. Mon grec qui traduit l'impudicité, c'est pornéa, qui désigne le péché sexuel. C'est en dans même mot pornéa, ça, que mot pornographique là, lui sorti. La Bible dit avant, oui, l'église, ça. N'a tout yel, l'impudicité. Dit, ou pas qu'on a consécration pour impudique. Même tout ça, mon créole. Ou pas qu'on dit ou à consacrer, ou pas qu'on marie, ou à coucher avec garçon. N'a tout yé ça. Magamène. N'a tout yé ça. Deuxièmement, l'impureté. T'as des frères Maxime, mot
impureté a li sorti non boke qui c'est akatasia d'où provient le mot catharsis ou purification. L'alpha a privatif la fait de lui yon négation qui signifie souillé, qui signifie mal propre. T'as de bien pendant semaine ça tout mal propre qui gen dans mitan nous n'a touye yo. Bagay mon avè ma soeur a. Mon ranger quoi ou sou pa vle tande l'évangile dim ça oui pou m pa tout encore. Mal propre. Je bagay k'a fèt jodi a c'est mal propre li. Est-ce que mon avè m la? Gon l'église au cap la mal prêché la dan dernièrement et puis frère Maxime yo nan pasteur yo a dim pendant le rentré. Pendant le gros pipi, là, la douche là, là, le pipi, là, lui, il joue deux jeunes garçons qui n'ont pas encore jeunesse. Je ne vais pas nommer l'église, qui n'ont pas encore jeunesse, qui a caressé en tête toilette là. Des jeunes garçons qui sont à chanter, n'ont pas encore jeunesse. Ils ont fini de chanter, ils ont rentré dans la douche là, ils ont caressé. Ça, c'est mal propre. Nous ne sommes pas d'accord, ça rentre dans l'église, n'a pas tout. C'est mal propre. Bon Dieu, ben nous, l'église. Mal propre. Quand tu me rete enfant mal la caille, go pasteur pour l'église dans son nom, qui enceinte secrétaire école du dimanche. L'elle finit, frère Maxime, les madame li apprennent ça. Madame li gou, mademoiselle là devant l'église. Gros dimanche matin. Gros ciel devant l'église. Parce qu'à partir là, elle finit. Et quand madame n'a envoyé en l'air, il va attraper. Comment vous avez ça? Mal propre? Ça n'a fait pour lui? Magemoun, ça n'a fait pour lui? N'a tout eu mal propre. Et bon, je dis, bagaille. Ou est-ce que c'est pas là, je dis, vous êtes qu'à coucher petite foutu. Et moi, si pas ça, il s'est pas mon micro ici, d'accord? Il met pas bon lit. On pasteur qui couche fidèle ou de qui couche petite foutu. Comment on est ça? Magie mon avem, comment on est ça? Qui ça n'a pas favel? Ça n'a pas favel? Abdouil. Passion et les mauvais désirs. Passion, pathos, qui désigne les passions sexuelles. Libérées dans le corps. Mauvais désir, désir, la convoitise sexuelle créée dans l'esprit. Ça veut dire que ça, passion, hein, lui désigner l'aspect physique. Mauvais désir, lui désigner l'aspect mental. Est-ce que vous avez là? Parce que péché, lui passer à travers l'esprit d'abord. Lui toucher dans le monde. Et puis là, lui jouer le corps. Est-ce que vous avez là? Tenez bien. Et passion et aspect physique là et aspect mental là n'a tout yo la paix bon Dieu avoir oui l'église ça chotia n'a prend décision c'est pas la chair qui mène nous mais c'est nous pour mener la chair et je dis moi viens révolter contre toute fidèle maison qui vit tête en bas parce que chotia en ce temps de la fin nous avons l'église qui est tellement plongée dans le péché l'église a vit tête en bas. Parce que sa Bible a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et. Est-ce qu'on est organigramme non? Mais organigramme non? L'esprit, l'âme et. Mais je dis à comment nous vivons? Corps, âme, esprit, tête en bas. Spirituellement, nous vivons tête en bas. Et la chair a cap mené nous. Et la Bible a dit, moun kap vivre selon la chair pa kap faire mon Dieu plaît. Plaît-il. Et la chair kap mené nous. Bon, je dis, bagay. Tendez bien ça, m'bal dou la. Ou est-ce qu'on a? Ou est-ce qu'on a là? Il pap jamais converti. Bon, moi, amen, complet nous. La chair pap jamais converti. Et ni la chair pa pral dans le ciel. Je répète, comme ça, il n'y a pas de chambre converti. Ni pas de dans le ciel. Mais, c'est lui qui mène dans le ciel. Est-ce que vous entendez ça me dire là?
il n'y a pas de converti. Mais un homme qui chita dans là, il est pour mener dans le ciel. Et ça fait chaudia, tout le monde qui tape vivre tête en bas là, réduit sous. Est-ce que vous avez là? Tête en bas. Corps. 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 Et puis il dit, c'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses. Alors, il parle de l'autre bagaille, oui. Cupidité. Cupidité. Cupidité, il sorti dans des mots grecs qui se plaignent, qui se vit plus. Exéthézo, avoir plus. C'est le désir insatiable d'avoir plus par n'importe quel moyen. Depuis nous avons fait l'argent, il va convertir. Et mon petit frère. Moi, j'ai tellement volé, même l'argent de l'église, j'ai volé. Moi, même l'argent de l'église, j'ai toujours volé. Je ne sais pas si tu es bien veillé. Je ne sais pas si tu es l'église. Ce n'est pas ce grand pilote autorité spirituelle. Et puis, frère Maxime, comme tu as fait offrande, comme elle a dépassé l'évangile, tout le temps, mettait tout, je ne vais pas péter, je sais pour garder. Là, le gars d'offrande, il était un bel billet, 1000 gouttes, tout neuf dans l'offrande. Il y a trois diacres. Qui est responsable au front de l'église. L'église a lagué parce qu'il y a des offrandes qui sont rentrées parce que l'église a été dans la dette pour y payer la dette là. L'église a remettre les offrandes, il n'y a pas de billet 1000 gouttes là. Il y a trois diacres qui sont responsables au front. Il m'a dit, monsieur, est-ce que nous te dépassons dans le corps là? Il a dit non. Est-ce que vous leader l'église là qui te vient pour le corps pour régler nos bagailles? Il a dit non. Parce qu'il a dit, je ne vais pas comprendre. Il dit, monsieur, c'est nous qui gérons l'argent. Te gon biye 1000 gout tout neuf dans l'offrande là. Si pas gagné qui fait, faut me joindre 1000 gout là. Et puis parce qu'il a dit, m'a fouillé ni poche pantalon nous, ni poche veston nous. Et puis il y a deux nèg qui viennent joindre pasteur pour pas fouiller. Et puis il y a un qui dit pasteur, ti mon nom. Il y a un qui est à voir ici là. Il dit, Jacquetel, Jacquetel, s'il vous plaît, quittez pas ce fou, ça c'est où? Mais moi, je ne vais pas rétacter mon site là. D'ailleurs, même, je vais faire pour faire la caillou. Malé! Bagaille, ça n'a fait pour vous? Ça n'a fait pour eux. Tout est yo. Et ça, la Bible elle est idolâtrie. Leur cupidou sont idolâtres. Leur remet l'argent sont idolâtres. Bien aimé, bon Dieu, pas de problème avec l'argent. Mais le problème, leur bail l'argent premier place dans la vie. Est-ce que vous avez là? Et depuis que nous avons fait l'argent, pas de l'église. Depuis que nous avons fait l'argent, pas de famille. Depuis que nous avons fait l'argent, pas de amis. Tout chemin mène à Rome. Aïssé tout chemin l'argent. Pas de piquant. Bien aimé. M'a dit au monde qui chita là à soir. Même si, pochou. Même si vous avez l'argent, non pochou. Si c'est pour faire tête pour l'argent, vous mettez moui pauvre. Est-ce que vous avez mon là? Mais vous avez moui avec dignité. Frappez-moi pour l'évangile. Et bien, attendez bien. Et puis, la Bible a dit, c'est à cause, bagay sa yo, que collègue bon Dieu descend. Et puis, la Bible a dit, au verset 8 là, il dit, renoncer. Renoncer. Il dit, renoncer. T'as bien aimé, frère Maxime. Renoncer ici, l'impliquer, l'idée d'une action déterminée et consciente de la volonté, cela signifie dire non. T'as bien, je dis à. Il y a des choses qui viennent devant. Même si tu as un avantage là-dedans, n'a pas dit non. Est-ce que vous avez là? Tenez bien, tout ça qui vient sur vous, même si tu as un profit là-dedans,
De pouvoir mettre santé dans nous en contravention avec mon Dieu. C'est pour dire. Bah, il y a des gens qui ont dit, il dit non. Dis ça quoi? Dis-le, dis non. Dis ça, dis non. Même si c'est un tel qui t'a bon manger, qui a bon 50 gouttes, si c'est parce que la bon 50 gouttes là, la traîne dans la boue, la traîne dans mon enfant là, n'a pas dit, m'a dit mon avem, n'a pas dit, n'a pas dit, si c'est parce que un tel qui a voué 100 dollars américains, wow! Et puis parce qu'elle a voué 100 dollars américains, wow, lui comprend la baie café dans l'habitation, voilà, lui comprend la faire communion, voilà, au nom de Jésus, n'a pas dit. N'a pas dit non. Tenez bien, tout ça la Bible dit oui, n'a pas dit oui. Tout ça la Bible dit non, n'a pas dit. N'a pas dit. Et même si non, on t'écoute au cher, même si on t'écoute au grand coup, parce que côté, mon Dieu prend la veille, ça va coûter 3 jours sans manger. La veille, mon Dieu, avant l'église. Du côté, mon Dieu prend la veille, ça va coûter 1 an à une graine kilote. Et puis chaque soir, dormir 100 kilotes. Pour la veille, graine kilote là, dans demain matin, pour jouer une graine kilote là. Mais l'offre fait une année à une graine kilote à cause de l'évangile. Ouais, ouais, la gloire de Dieu. Frappez-moi pour le Seigneur. N'a pas dit non. Et bien, attendez bien. Mes messages là à soya. N'a pas tout yo et n'a pas dit non. Est-ce que vous avez là? Vous connaissez pour qui ça m'a demandé? La Bible a demandé pour tout yo. Pour qui ça? Parce que il y a des choses qui sont en vie. De pour pas tout yo, n'a pas tout yo. Bon, moi, amen. Bon, moi, amen, couple. Bah, il y a des gens qui sont contre là, mais dis-le, sois avec tout et à la tout. Dis-le ça encore. Dis-le ça plus fort. Il y a des gens qui ont envie de vous battre, c'est le captif. Et bien, attendez bien. Après, Paul dit que tu es colossio, tout est. Faites donc mourir. Tout est. Oh, je me sentis, alléluia, qu'on te demoiselle qui là. À partir de la soirée, on va le quitter et puis l'évangile. Et pour dire esprit fornication, ça m'a freiné. La Bible dit avant l'église. Pour dire mensonge, ça m'a freiné. Tout est renoncer au mal. Est-ce que vous avez là? Renoncer au mal. Mais mon Dieu, pas prendre plaisir dans mal. Si mon Dieu pas prendre plaisir dans mal, je ne vais pas prendre plaisir dans mal tout. Est-ce que vous avez fait là? Renoncer également à la méchanceté. Non seulement dit mensonge. Mensonge. Pour d'encrier mon nom, il menti. Mon Dieu, ben nous, l'église. Il y a un mariage qui crase la ville là. Ça qui passe, Messie go naïf. Pendant le go naïf. L'idée de rentrer mercredi, mais bagaille la règle plus vite, lui rentre mardi. L'arrivée la caille, il va jouer madame non. Pour elle va jouer madame non. Frère Maxime yo, l'arrivée le madame non pas, je sais pas qui qu'une soupe sur pareil. Il dit chéri koto est là. Alors, il dit il a caille là. Mais si agisse le madame non pour dire fini, pour te clé bail, il arrive oui. Madame non dit il a caille là. Et mes messieurs dans la cour, porte fermée. Il dit, chéri, monsieur Finbo, sauf ce qu'on y a. Il dit, chéri, il sort à faire là. Il dit, m'a nettoyé un poisson. Bon, tu es venu à l'église. Il me dit, madame, pourquoi rentrer? Bon, il est. Il dit, chéri, comment poisson est? Il dit, la bouille. Il dit, mais mangez pour moi, elle me finit ma brûle dans l'être. Madame n'a dit, oui, papi. Troisième, madame n'a pas fini. Bon, j'ai bien oui l'église. Mais, s'entendez, madame n'a crié sans bon moi. Son petit coup, il a eu peur, il a consommé, oui.
sop à touye jodi a. Bay moun ki ba kontrol la nan men di sa, moun di sop à touye jodi a. Sop à touye jodi a. Et puis messi a fon façon il gâté cadena, il rentré. Et puis il finalement c'est toute rad li mette dans mallette li et puis l'ouvre télé l'a garder télé. Le madame nan fini bon 4 heures, il wè porte kay la ouvri, li wè l'homme il dit vol au casser kay la. Quand y a moun yo qui était là qui comprend jouet là, yo dit yo pas quoi c'est vol. Ça c'est voisine qui était dans la cour. Et puis frère Maxime, les dames nan levé rideau. Et puis ouais, c'est Missy Akshita devant pas tababa là qui regarde télévision, il fin lève un pied. Et puis tant que c'est la Cristiano Ronaldo arrivé devant quand, et puis habite siffler orge, et puis il était red on pied dedans on pied dehors. Il a dit merci oui poisson t'a quitté me de manger là-dedans oui. Et puis il dit bye bye. Mais comme un mariage crasé. Oh, nos camionnettes, vous monsieur que l'on a mis du coton est là. Il dit non douche là m'a baigné. Mais si a dit mettre fraîche m'a fini. Il dit madame non, bon si c'est la caille là hier. Renoncer au mensonge. Au compte sa Bible a dit dans Jean 8 verset 44. Yon moun kap bay menti ki est ki papa ou? Ki est ki papa ou? Satan. Mensonge. Mensonge. Y gon dame ki gon restaurant la ville la, li fè pile. Pendant le fait un pile expérience avec moun ki pa converti, mais il pa jam fè pran moun l'église dans restaurant parce qu'il dit moun l'église yo bay problème. Et puis, mais tellement pour un coup dans le monde qui m'a converti, qu'on a décidé de faire express avec un protestant. Et puis, un protestant qui a demandé de travail, parce qu'il connaît. Madame n'a pas appelé un protestant. Et puis, il dit, c'est catholique. Madame n'a dit, mais soumettre, allez, vas-y, je vais trop coup dans mon monde. Il dit, non, c'est protestant, mais il dit, sous le cas, il va y avoir l'autre coup, l'autre tout. La paix, bon, tu as fait oui, l'église, ça. Deuxièmement, il dit renoncer à la méchanceté. Méchanceté, c'est l'expression générale qui définit mal là, dans toute intégralité, dans toute sorte. Je dis à nous qui sommes méchants, dans l'église, il faut nous dire non. La Bible dit avant l'église. Ça. Mais mon église est tellement méchante. Il y a un monde. Parce que mon Dieu, il y a un talent. Parce que le corps est mon béni. La Bible dit avant l'église. Ça. Et comme si c'est place pas là, mon Dieu prend pas mon nom. La méchanceté. Va nous renoncer. N'a dit non. N'a tout yé. Et n'a dit non. Pour nous finir, frère Maxime, troisième étape, renoncement, c'est renoncer à se posséder. À son possédant. Mais ici, il y a des orientations pour qu'on ça. Il y a celles, dans sa possédant, il y a celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. Tandis que nous devons partager les bonnes afin de ne pas rester sous leur emprise. Est-ce que vous avez mon avis là? Dans Luc 18, il y a un homme qui voulait suivre Jésus. Jésus dit comme ça, il manque un bagage. Aïe, vendre son possédé, séparer l'argent de la pauvre. Et Michel, là, Michel garde tout ça, il possédait. Et puis la Bible a dit, Michel attristé. Parce que ce qui s'est passé, Michel attaché à la richesse. Salomon dit dans le proverbe, quand la richesse s'accroît, n'est si attaché par le cœur. Mais le cœur attaché à bagaille ou possédé, la difficile pour servir, mon Dieu bien. Est-ce que vous avez mon avis là? Pour qui ça? Parce que la Bible a dit côté trésor, c'est la cœur, égal richesse sous trésor, l'argent sous trésor, business sous trésor, commerce sous trésor. Mais attendez bien, de vous attacher à l'étrope, la difficile. Pour servir mon Dieu bien. Est-ce que nous avons un problème là?
faut veiller. Mais une dame qui a fait un petit marché petit instant, son client, dame n'a pas mis une histoire, deux ans de cela, je crois. Dame n'a dit serviteur, dans ma chère, je fais toute semaine, je ne vais pas vendre rien. Même sabotage, je ne vais pas payer. Il dit que des jours, je viens dans ma chère, même manger, si je ne vais pas. Gen bon zanmi pa tab jwenn lajan mache manje manje tout commerce la il va vendre et madame nanti bay fon rete jou dimanche nan jou dimanche madame lan dim Ivan an lundi matin il vient acheter il fait toute semaine nan fo maxemio il pa vendre et bi dit bay fon rete jou dimanche la dame n'a dit, Yvonne. Et puis là, il fait 3 heures. La garde comme ça. La garde valise d'argent. Et puis il fait 2000. Il garde le ciel là. Il dit, au nom de Jésus, Satan, je vous vois. Il dit, désormais, si c'est pour jouer dimanche, ni moi, ni Timoun, je vais mettre mon grand goût. Bon Dieu, bénoui l'église. Bon Dieu, ou qu'on qui ça Satan fait, des moni il connaît là, il pas joue nous dans volant encore, il pas joue nous dans mari mon encore, mon qu'on comment la pas attaquer avec avantage, bah il moni qui va contrôler la langue dit feu avec avantage, dis ça encore, dis ça plus fort, et puis mais où qui ouais avantage, et pour qu'on ça avantage, ou porter l'estomac encore, et pourtant sous forme d'attaque. Est-ce que mon avem là? Et puis Michel garde Jésus. Et puis là, il fait route lui. Parce qu'il n'est pas qu'à partager bien. Yo. Il n'est pas qu'à partager bien. Yo. Bien aimé, il y a un bagage qui a fait connaître ou dominer l'argent ou gagner. C'est leur capacité pour partager. Est-ce que mon avem là? C'est leur capacité pour situer. Pour situer les gens qui ont besoin. Je dis à mon église tellement mesdames, il y a des courageux en bas la prière. Hey, c'est pour prier, il n'y a pas de manque. Et c'est à finir, quoi elle a fini. Prière. Mais que bagaille, c'est pas prier, il m'a dit, mais c'est partager. Est-ce que vous avez là? Partager ça bon possédé et puis quitter. Jeter. Nettoyer ça pas bon. C'est ça qui fait pendant semaine de consécration ça. Moi décréter la permanence. Nettoyage complet. Frappez-moi pour l'évangile. Bah, il y a un qui m'en contre la dame. Dis nettoyage complet. Dis ça encore. Dis ça plus fort. Normalement, le fait camper. Que ben mon monde qui m'en contre là. Gardez-le dans les yeux. Dis le comme ça, je ne sais pas pour vous. Mais moi-même, dans la semaine, je vais tuer, je vais dire non et je vais nettoyer. Et puis, il me dit le nettoyage. Regardez de Nawel ou de Nawel, il dit nettoyage. Tout ça, je dis le nettoyage. Toute hypocrisie qui est dans la maison. Toute division qui est dans la maison. Tout esprit secret qui est dans la maison. Toute tripotaille qui est dans la maison. Toute méchanceté qui est dans la maison. Tout allemé de vidique dans la maison. Tout esprit fornication. Tout esprit cupidité. Tout esprit mesdames. Esprit légèreté. Esprit naïveté. Esprit pambibo. Esprit orgueil. Esprit médisance. Que Dieu vous bénisse.